I believe your love, I believe your love like the air in the morning. I salute your love and I can't get away. Mais quelqu'un dit à Steven que c'était une pub pour la choucroute. Je sais pas. Il faut un doute là quand même. Hein. Et je me suis retrouvé sur ce film qui est une comédie, donc a priori, avec Jean Dujardin, qui est un peu juste la référence en ce moment sur ce type de film. Et j'étais un peu inquiet, voilà, j'avais le trac, et je pouvais pas trouver meilleur partenaire de jeu. Je peux pas vous dire autre chose, il est formidable, il vous met à l'aise, c'était génial. C'est un peu long comme script de pub. Hein. Non, pour 99 francs, vous allez avoir du Dujardin, mais comme jamais vous l'avez vu, parce qu'il est, caustique, il est touchant, il est émouvant, il est drôle. On l'aime, quoi. On l'aime. Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune. Châtain. Brune. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave, mais authentique. Je suis belle, n'est-ce pas? Je suis belle. C'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Je suis rentré dans une... un petit peu dans une famille. C'est un peu idiot de dire ça, de dire oh, on a adoré faire ce film, etc. Mais il s'est vraiment passé quelque chose sur ce tournage. Et j'ai un petit service à vous demander. Si vous n'aimez pas le film, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et puis si vous aimez bien le film, dites-le à vos amis, à votre famille, parce qu'il se trouve que Alain Goldman, le producteur du film, a dit « Si le film marche à sa sortie en salle, on fait la suite. » Parce que la suite, c'est le roman de Frédéric qui est sorti il y a 6 mois, pardon. Ce qui se passe en Russie. Et voilà, on a tous très très envie de se retrouver à Moscou pour faire un film. Vous m'avez bluffé, hein. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. Dégage. C'est un film à la fois tordoyau pour deux raisons. Alors, je sais pas si les gens aiment ce tord du boyau, mais c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que vous risquez certainement d'avoir des gros fous rires. Il y a quand même un humour assez caustique, assez acide. Et la deuxième, c'est parce que c'est un film qui a un fond et une forme et que donc ça raconte un petit peu, ça a un point de vue un peu... c'est une satire sur la société d'aujourd'hui, d'hyperconsommation. Chez nous, à la Russian Witchcraft, le client est roi. Et le client, c'est vous. Bonjour, Dieu. Ça pue la choucroute de merde ici, non? Laisse-moi te présenter monsieur qui fabrique cette choucroute. Ah oui, Jean-Pierre Ranu. Jean-François Marolle. Voilà. Monsieur Ranu, vraiment, je suis profondément désolé, mais vous savez, on a tellement de stress dans ce boulot, on a besoin de se relaxer. Non, mais laisse tomber, c'est le régisseur plateau, laisse tomber. Dégage. Sophie travaille à la Rose depuis 3 ans. C'est Marc qui l'a fait entrer à l'agence. Il a toujours eu bon goût. Non, n'insiste pas. Faire l'amour dans un ascenseur avec une stagiaire, c'est beaucoup trop Adrien Lyne pour moi. J'ai pas envie de trop parler du film avant que vous l'ayez vu, justement, mais vous pourrez voir effectivement une énergie qui n'est pas seulement franco-française, qui est assez internationale, et c'est bien de voir qu'on a ce type de cinéma-là ici en France. Je trouve ça assez valorisant pour nous de voir qu'il y a justement une espèce d'hyper-créativité, et ça manque aujourd'hui, et voilà, donc c'est un espèce de jeu aussi.